je voulais remarquer que par rapport à Berlin, en France, nous avons la chance que le budget de l'eau est un budget séparé. L'eau paye l'eau. Et donc, c'est complètement séparé de la comptabilité générale, des impôts, etc. Bon, et donc, alors, petite remarque, l'eau paye l'eau dans le cadre de la gestion publique. Parce que dans le cadre de la gestion privée, l'eau paye l'eau plus les profits du délégataire. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a des frais de siège, il y a des impôts sur les sociétés, etc. Mais c'est un travail citoyen de montrer que, justement, le passage en régie permet de faire des économies de façon quasi institutionnelle. Les frais de siège des sociétés privées, l'impôt sur les sociétés, etc. En plus, la régie, c'est un établissement public, ce n'est pas une société publique. Et donc, elle ne fait pas de profit. Elle ne fait pas de bénéfices, elle n'est pas imposée sur les bénéfices. Je sais ça, et c'est un argument de notre part qu'en France, ça fonctionne, mais jusqu'à maintenant, à Berlin, là, on ne veut pas. Mais je crois que c'est aussi très important que tu as dit qu'on doit construire société aux lois publiques et pas lois privées. Donc on a fait, juste à dire, en Allemagne, on a fait une institution, une organisation pour de lois privées pour privatiser les autoroutes. C'est toujours, c'est une construction, ne disent pas que c'est une privatisation, mais en le moment, c'est sous la loi privée, c'est tout est secret et ça fonctionne comme une entreprise. Petite remarque pour le contexte français. Vous avez entendu parler de la société publique locale. La société publique locale, c'est une société capitaliste. C'est une société à capitaux 100% public, mais c'est une société capitaliste qui peut tout à fait sous-traiter sous forme de marché de gré à gré au privé, qui peut passer des concessions et qui paie des impôts sur les bénéfices et peut par exemple rémunérer les actionnaires publics, qui sont en fait les élus des collectivités locales, sous forme de jetons de présence. Et par exemple, la société publique locale dans l'ouest de la France qui s'appelle Audu-Ponant, la première chose qu'ils ont voté, c'est. Ils se sont votés, le conseil d'administration s'est voté des jetons de présence.